gloire à Dieu. Shalom, peuple de Dieu. Est-ce quelqu'un est dans la joie en ce matin? Est-ce quelqu'un est dans la joie dans la présence de Dieu? Si tu es dans la joie, est-ce que tu peux acclamer Dieu de là où tu es? Je vous salue au nom de Jésus, vous qui êtes là en présentiel, et vous qui nous suivez en ligne, nous bénissons Dieu pour sa présence en ce matin. J'aimerais que toi qui nous suis en ligne et toi qui es en présentiel, de manifester ta joie dans la présence de Dieu. Est-ce que tu peux manifester ta joie dans la présence de Dieu? J'aime ce que la Bible nous dit dans Psaume 122, premier. David dit, je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un est dans la joie d'être dans la maison de l'Éternel? Est-ce que quelqu'un est dans la joie de se retrouver dans la maison de Dieu? Pourquoi sommes-nous en train de parler de la maison de l'Éternel? Parce que dans la maison de l'Éternel, nous bénéficions de plusieurs choses. Est-ce que quelqu'un est content d'être dans la maison de l'Éternel? Toi qui nous suis en ligne, tu es dans la maison de l'Éternel parce que tu as fait de ta pièce, tu as fait de ta maison la maison de l'Éternel. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse énormément et que Dieu nous bénisse, nous qui sommes en présentiel. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie pour l'amour de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie? Dans sa présence, Dieu t'a attiré dans sa présence, Dieu t'a appelé, tu es sélectionné, tu es la personne sélectionnée pour vivre de sa bonté, pour vivre ses grâces en ce matin. Est-ce que quelqu'un peut louer le nom de l'Éternel, le Dieu qui nous a appelés dans sa présence, le Dieu qui nous a sélectionnés dans sa présence? Je ne reste pas calme. Je bénis le nom de l'Éternel. Je bénis le nom de la personne qui m'a appelé. Je bénis le nom de la personne qui m'a donné ce souffle de vie. Je suis en train de rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi, pour ce qu'il a fait pour ma famille, pour mes frères et pour mes sœurs. Est-ce quelqu'un est dans cette salle ou en ligne qui reconnaît la grandeur de Dieu? Qu'il prie avec moi. Gloire à Dieu. Tu vas rendre grâce à Dieu. Tu vas bénir le nom de l'Éternel pour sa grâce. La Bible nous dit que c'est par grâce que nous sommes sauvés, moyennant de la foi. Car ce salut ne vient pas d'un homme, mais ce salut vient de Dieu. Est-ce que tu peux reconnaître que Dieu t'a fait grâce en ce matin? Aujourd'hui, tu es chrétien ou ta vie professionnelle, est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu? Est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu pour sa grâce ce matin? Est-ce que tu peux bénir le nom de Dieu? Oui, tu pries bien. Est-ce que tu peux encore élever ta voix? Augmente encore le volume. Est-ce que tu peux élever encore ta voix et rendre grâce à ce Dieu-là? Tu bénis le nom de l'Éternel. Tu bénis le nom de celui qui t'a attiré. Tu es en train de rendre grâce à Dieu. Tu es en train de bénir son nom. J'aime un psautier dans la Bible. Il dit qu'avant toute chose, je célèbre d'abord celui qui
m'a appelé. Je célèbre d'abord, c'est lui qui m'a créé. Je suis en train de louer le Dieu qui m'a établi. Je suis en train de louer le Dieu qui m'a fait grâce de se retrouver dans sa présence. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il a produit? Je ne sais pas dans quoi tu étais pendant la semaine. Je ne sais pas ce que tu as vécu pendant toute cette semaine, mais tu peux rendre grâce à Dieu, que ce soit dans le bon, que ce soit ce que tu as vécu était dur. Laisse-moi te dire que Dieu a fait en sorte que tu puisses vivre la chose là qui était dure, pour qu'aujourd'hui que tu puisses le rendre grâce. Je suis en train de rendre grâce à Dieu pour tout. Pour tout, même pour ceux que je n'arrive pas à saisir, je suis en train de rendre grâce à Dieu pour ça. Seigneur, je te rends grâce pour tout. Je te rends grâce pour tout. Je te rends grâce pour ton amour. Je te rends grâce, Éternel, parce que tu m'as sauvé. Aujourd'hui, je suis parmi ceux-là qui peuvent citer les noms de Jésus. Je suis parmi ceux-là qui peuvent crier les noms de l'Éternel. Seigneur, je te rends grâce pour ça. Je te rends grâce pour ton amour. Je te rends grâce pour ce que tu produis en moi. Car la parole de Dieu me dit dans Psaume 136, louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure pour toujours. Seigneur, je loue ton nom. Je loue ton nom, Éternel, parce que tu es bon, parce que tu es puissant. Car ta miséricorde dure pour toujours. Dure pour toujours. Dure pour toujours, dure pour toujours, dure pour toujours. Je t'ai béni, Éternel. Je t'ai béni, Éternel. Je t'ai béni parce que tu es avec moi. Merci parce que tu contrôles mes pas. Là où je veux, Éternel Seigneur, tu anticipes toujours. Tu es là avant que je ne sois. Tu es celui qui me connaît mieux que moi-même. Je te rends grâce pour ta bonté. Merci Éternel Seigneur de renouveler ta bonté chaque jour pour moi. Merci Éternel Seigneur de faire de moi un homme qui sait reconnaître ta grandeur. Seigneur, avant cela n'était pas pratique, cela n'était pas Éternel authentique. Mais par ta grâce, ô Dieu, tu as rendu cela conscient. Tu m'as rendu conscient, tu as rendu cela Éternel Seigneur visible dans mon esprit. Je te rends grâce, Éternel, pour ma famille. Je te rends grâce, Éternel, Seigneur, pour mes affaires. Je te rends grâce, Éternel, pour mes études. Je te rends grâce, Éternel, Seigneur, pour tout. Seigneur, je ne restais pas calme. Éternel, je suis en train de te rendre grâce. Je te rends grâce, ô Dieu, pour les choses que tu as faites, Éternel, que je ne maîtrisais pas. Je te rends grâce, ô Dieu. Je te rends grâce pour tout. Je te rends grâce pour l'Église. Ah, je te rends grâce, Éternel, pour mon pays. Je te rends grâce, Éternel, Seigneur, pour la connaissance parfaite, Éternel, que tu nous donnes. Je te rends grâce, ô Dieu, pour l'amour, Éternel, Seigneur, que tu nous montres et que tu nous démontres, Éternel, Seigneur. Je te rends grâce, je te bénis, Éternel, Dieu. Je ne sais quoi dire, Éternel, mais le membre, toutes mes facultés, Éternel, reconnaît que tu es Dieu. Si ma bouche ne sait comment interpréter, mon âme sait ce que tu as fait. Si mon âme ne sait comment s'exprimer, le corps va bouger pour les actions que tu as posées, pour ce que tu m'as donné. Si mon corps ne sait comment louer Éternel, mon esprit s'élèvera pour tes bienfaits Éternel, car tu es bon, car tu es puissant, tu es redoutable, tu es redoutable, tu es redoutable, tu es redoutable. C'est pourquoi Éternel Seigneur, je suis en train de t'acclamer, je suis en train de t'acclamer parce que je sais. Parce que je sais que tu es mon Dieu. Je suis en train de pousser des cris de joie. Parce que je sais, tu le mérites. Parce que je sais, tu le mérites. Je suis en train de bénir les noms de l'Éternel.
par mes actions, par mes actions, par mes acclamations, par mes cris de joie. Ô Éternel, les dieux qui maîtrisent tout, les dieux qui maîtrisent les temps et les circonstances. Tu m'as promis, Éternel Seigneur, que tu seras toujours là. Tu m'as dit, je ferai ceci pour toi. Seigneur, à chaque fois, je me sens découragé. Tu es toujours là pour m'encourager. Tu es toujours là pour me motiver. Tu m'as promis beaucoup de choses et je le sais, ces choses s'accompliront, Éternel. Seigneur, le promesse éternelle, tes promesses s'accomplira, Éternel Dieu. Car tu n'es pas un homme qui fait un fils de l'homme pour se repentir. Tu fais ce que tu dis. Tu fais ce que tu dis. Tu es merveilleux, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Oh, tu es merveilleux. 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 Les dieux de grâce, tu es merveilleux. Les dieux de paix, tu es merveilleux. Merveilleux que tu es. Merveilleux que tu es. Les dieux qui transforment. Les dieux qui transforment. Les dieux qui ne changeaient pas, mais qui s'est changé les situations. Les dieux qui ne changeaient pas, mais qui s'est changé des situations. Il est égal à lui-même. Il n'a pas besoin d'une chose qui doit lui ressembler. Si ta situation ne peut changer, laisse-moi te dire, il n'y a qu'une seule personne qui ne change pas. Il n'y a qu'une seule chose qui ne peut pas changer. C'est la personne de notre Dieu. L'être qui ne peut pas changer, c'est Dieu. Ta situation est obligée de changer. Ton problème est obligé de fléchir les genoux. Ta situation est obligée de fléchir les genoux. Parce que c'est Dieu qui ne changeait pas. C'est Dieu qui ne changeait pas. C'est pourquoi nous sommes en train de les bénir. Avec nos acclamations. Je ne sais pas. Je ne suis pas quelqu'un qui est en train de prendre des acclamations. Tu es en train de le faire à cause de ce bienfait. À cause de ce bienfait. Je suis en train d'acclamer Dieu à cause de ce bienfait. Je suis en train de bénir son nom à cause de ce bienfait. Il renouvelle sa bonté chaque jour pour moi. Hier, je vais dire autre chose. Aujourd'hui, je vais dire encore autre chose.
peux rejouir de la sanctification. Je peux bénéficier de la rédemption. Hallelujah, Dieu tout puissant.
Acclame le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à Dieu? Est-ce que quelqu'un peut dire amen à Dieu? Est-ce que quelqu'un peut dire amen à Dieu? Est-ce que tu peux dire amen à Dieu? Tu es un âme béni, tu es un frère béni. L'Éternel est avec toi pour cette année. Les bonnes choses vont t'arriver en cette année. La grâce de Dieu te couvre en cette année. Le bonheur de Dieu t'accompagne en cette année. Tu seras positionné cette année. Cette place est ta place cette année. Au nom de Jésus, nous avons ainsi reçu. Amen. Oh, acclame le Seigneur. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour ces moments. À lui l'honneur et la gloire au siècle des siècles. Disons amen. Tu peux te tenir, tu peux t'asseoir s'il te plaît. Merci chorale, merci pour votre assistance. Gloire à Dieu. Alléluia. Que l'Éternel vous bénisse. Dis à ton voisin, tu commences à comprendre. Dis à ton voisin, tu commences à respecter le culte. On va encore faire mieux que ça. Amen. Amen. Les hommes disent à tout Seigneur, tout honneur. Notre Dieu est au-dessus de tous les seigneurs, donc il mérite plus notre honneur. Amen. Que Dieu vous bénisse tendrement. Ce matin, nous allons partager la parole de Dieu, qui est la parole de l'heure. Vous savez, ensemble ici, nous savons que cette année est consacrée à la prière, n'est-ce pas? Cette année, nous passerons des enseignements de tout genre qui vont nous apprendre à prier. Amen. Mais au-delà du fait d'apprendre à prier, la prière n'est pas que pour demander à Dieu, n'est pas que pour s'adresser à Dieu. La prière a beaucoup de bénéfices, la prière a beaucoup de bénédictions qui passent au travers pour transformer la vie d'une personne.
D'où le thème de ce matin que nous avons intitulé « Croître spirituellement par la prière ». Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour le thème ? Alléluia. Croître spirituellement par la prière sera l'enseignement qui va nous montrer combien la prière peut transformer la vie de celui qui prie. Amen. La prière peut transformer la vie de celui qui prie. Plusieurs personnes prient, mais peu sont celles qui tirent de la prière la possibilité d'être transformé, d'être changé, d'être modifié. Plusieurs personnes prient, mais très peu de personnes arrivent vraiment à profiter de la puissance de la prière. L'exercice spirituel le plus important dans la vie d'un chrétien, c'est la prière. Aucun chrétien ne peut prétendre qu'il est chrétien s'il ne prie pas. C'est pendant que l'on prie que vraiment nous montrons notre attachement à Dieu, notre dépendance au Seigneur. Celui qui prie n'obtient pas uniquement les choses qu'il demande, mais il contribue puissamment à sa croissance. Quand quelqu'un prie, il contribue directement à sa croissance. Si vous remarquez que vous priez et que malgré que vous avez des programmes de prière, vous ne grandissez pas avec Dieu, cela veut dire que votre prière n'est pas bonne. Mais si vous priez réellement, la prière va elle-même vous transformer au point de vous emmener à un changement total. Alléluia. Voici, vous devez savoir que la prière nous fait grandir dans trois aspects de notre vie chrétienne, c'est-à-dire dans la prière, elle nous fait grandir dans trois aspects de notre vie chrétienne. Je vais vous en citer les trois. Plus vous priez, plus vous grandissez dans trois aspects de votre vie chrétienne. Toutes les personnes qui prient grandissent. Toutes les personnes qui prient voient quelque chose en eux changer. Premièrement, la prière nous fait grandir dans notre relation avec Dieu. C'est-à-dire, plus vous priez, plus votre relation avec Dieu va grandir. C'est-à-dire, personne ne peut prier et ne pas connaître Dieu. C'est impossible. À force de prier, on finit par connaître Dieu. La prière me permet de grandir dans ma relation avec Dieu. Quand on dit grandir dans la relation avec quelqu'un, c'est-à-dire que plus je prie, plus je le connais mieux. Grandir dans la relation avec Dieu veut dire on finit par mieux se comprendre, on finit par mieux se connaître, on finit par mieux le connaître. La deuxième chose, c'est que la prière vous fait aussi grandir dans votre relation avec vous-même. En dehors du fait que quand vous priez, vous arrivez à mieux connaître Dieu, prier vous aide à grandir dans votre relation avec vous-même. L'homme n'est pas que en relation avec Dieu. L'homme doit être en relation avec soi-même. Quand on dit que tu es en relation avec toi-même, ça sous-entend que tu te surveilles. Ça sous-entend que tu veilles sur ta marche. À force de prier, on finit par mieux savoir ce qui va en nous et ce qui ne va pas en nous. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, un chrétien à qui on est obligé de dire « tu dois changer ça, tu dois changer ça », prouve déjà que ce chrétien-là ne prie pas. Plus il priera, dans ses moments de prière, il apprendra ce qui est mal en lui. En priant, la présence de Dieu est claire et vous montre les choses qui ne vont pas en vous. Moins vous priez, moins vous allez vous tourner sur votre propre changement. Les gens qui attendent que l'on blâme pour changer, qu'on leur dise « non, tu dois changer, tu dois faire ceci », ce sont des gens qui ne
prie pas en esprit et en vérité. La prière, ce n'est pas que parler, c'est une atmosphère. Plus je suis en train de faire ça, plus ça me touche moi-même, plus ça me transforme, plus ça montre mes erreurs, plus ça me rend meilleur. C'est pourquoi on dit que la prière nous fait grandir dans notre relation avec nous-mêmes. Troisième étape, la prière nous fait grandir dans notre relation avec les autres. La prière nous fait grandir dans notre relation avec les autres. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, un enfant de Dieu qui prie, un chrétien qui prie, ne peut pas avoir des problèmes avec des gens. Ou encore, les problèmes peuvent lui arriver, mais il n'en sera pas l'auteur. Qui me suit? Parce que la prière, et vous allez le voir dans le déroulement du message, la prière va vous exiger d'avoir de bonnes relations avec les gens. Il est impossible que vous soyez une femme qui prie, un homme qui prie, mais qui a de la rancœur. Un homme qui prie, une femme qui prie, qui est méchant. Un homme qui prie, une femme qui prie, qui a des ennemis. Un homme qui prie, une femme qui prie, et qui ne veut pas entendre parler de certaines personnes. Aujourd'hui, quand vous allez écouter ce message, vous allez voir dans tous les aspects comment est-ce que la prière elle-même, c'est-à-dire, moi je vais parler à Dieu pour mon mariage, mais comme je prie en esprit et en vérité, je prie de tout mon cœur, le fait d'être en train de parler à Dieu ne va pas simplement m'emmener vers la chose que je lui demande. À force de rester avec Dieu, sa présence touche notre présence au point de nous transformer et nous rendre meilleurs, nous faire grandir. Si vous remarquez que vous priez beaucoup, mais vous ne changez pas, c'est que vous n'avez jamais été en présence de celui à qui vous adressez vos prières. Le jour où vous entrerez en présence de celui à qui vous adressez vos prières, vous ne taperez plus votre femme. Le jour où vous entrerez dans la présence de celui à qui vous adressez vos prières, vous ne parlerez plus impoliment à votre mari. Parce que sa présence vous fera grandir, vous fera renoncer à des choses. Celui qui prie fait l'exercice spirituel le plus important qui le fait grandir. Alors, comment la prière nous aide à croître spirituellement? Comment la prière nous aide à croître spirituellement? Nous allons utiliser et vous présenter sept choses qui vont automatiquement vous faire grandir. La prière nous aide à croître spirituellement parce qu'il y a des choses qui dépendent, pour lesquelles la prière dépend, allais-je dire. La prière nous fait grandir parce qu'il y a des choses pour lesquelles la prière dépend. C'est une façon d'autre, je peux dire ça autrement. C'est-à-dire pour qu'une prière soit exaucée, la prière est liée à certaines choses qui doivent se retrouver en toi. Quelqu'un peut répéter avec moi. Pour que ma prière soit exaucée, il y a des choses en moi que je dois avoir. Amen. Donc, les prières de quelqu'un qui prie, se verra changer. Quelqu'un qui prie, se verra grandir. Quelqu'un qui prie, se verra automatiquement devenir un meilleur chrétien. Pourquoi? Parce que pour que cette prière qu'il adresse à Dieu soit exaucée, ça va t'exiger certaines choses. Voici les sept choses qui nous feront grandir automatiquement pour lesquelles la prière dépend à 100%. Première chose, la prière dépend de ta sanctification. La prière dépend de ta sanctification. C'est un grand point. C'est un grand point très très important. Alléluia. La prière dépend de ta sanctification. La Bible dit ceci, que tout le monde sait, je suis dans Jean 9, 31, tout le monde sait, c'est quoi? Tout le monde sait, vous pouvez lire, c'est quoi? Que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un est attaché à Dieu,
et fait sa volonté, il fait quoi? Tout le monde sait que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Dis à ton voisin, même toi tu le sais. Ne faites pas semblant, ne me regardez pas comme si vous venez de découvrir. Peut-être vous ne connaissiez pas la référence, mais vous le savez. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Amen. Alors, si Dieu n'exauce pas les pécheurs, cela sous-entend que quelqu'un qui prie va automatiquement commencer à faire quoi? À se sanctifier. Autrement dit, dites ça autrement. Pardon? Aidez-moi, aidez-moi. À ne pas pécher. Très bien. Celui qui prie va automatiquement commencer à ne pas pécher. Il va automatiquement commencer à ne pas pécher. Alléluia. Ça sera automatique. Il ne fera aucun effort, mais il verra que ses prières ont des barrages. Et à cause de ça, sachant qu'il veut être exaucé, lui-même va commencer à renoncer. Qui a compris? Donc, c'est être méchant envers soi-même lorsque on pêche et on prie. Parce qu'on est en train de faire la chose qui va s'opposer à quoi? À la prière. Quelqu'un de sage, quelqu'un qui veut son bonheur, ne renonce pas au péché parce qu'il est devenu, il doit devenir pasteur. Non, il renonce parce que si je continue dans ce mal, mes prières sont toutes bloquées. Donc, la prière dépend de ta sanctification. La Bible dit dans Jacques 5, 16, « Confessez vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » Quand un juste fait quoi? Prie, sa prière a une... Voilà. On ne dit pas quand tout le monde prie. Quand un juste fait quoi? Prie, sa prière a une grande... Donc, la qualité de personne que je suis, ma qualité de vie, ma façon de me comporter, influence ma prière. Si je veux prier et être exaucé, je me sanctifie moi-même. Alléluia. Je ne peux pas prier, chercher de l'exaucement et ne pas me sanctifier. Ma prière, la prière dépend de ta sanctification. Donc celui qui prie devient de plus en plus pur. Celui qui prie pêche de moins en moins jusqu'à dominer le péché. Celui qui prie se sanctifiera. Celui qui prie devient en tout cas meilleur en termes de sanctification. Maintenant pose-toi la question. Répète avec moi. Si je prie, pourquoi certaines choses résistent? Et si les choses résistent? Donc certains exaucements me sont bloqués. Qui a compris? C'est comme ça qu'il faut comprendre ça. C'est comme ça que tu dois comprendre ça. Il y a des choses que tu n'auras jamais parce qu'il y a des choses que tu ne veux pas abandonner. Quelqu'un a compris? Ok. Continue à prêcher. Mais si tu te masturbes, il y a des choses que tu n'auras jamais. Continue à impressionner les gens. Mais si tu sors avec les maris d'autrui, il y a des choses que tu n'auras jamais. Continue à faire ceci. Mais si tu fais le mal, il y a des choses que tu n'auras jamais. Oui, tu pourras avoir un téléphone dernier cri que le mari d'autrui va t'acheter, mais tu n'auras jamais la paix dans ton cœur. La deuxième chose à laquelle la prière dépend de ta connaissance de la parole de Dieu. La prière dépend... Ça là, c'est même l'une des choses les plus excellentes. La prière dépend de ta connaissance de la parole de Dieu. Laissez-moi lire un texte et je vais expliquer pour pouvoir nous aider. Jean 15, verset 7. Mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudriez, vous ferez quoi? Vous l'obtiendrez. Dieu a mis dans la prière différents niveaux. Il y a
demandez et vous recevrez. Il y a, vous recevrez quelle que soit la chose que vous demanderez. Cette précision montre que tous les demandés nous donnent, mais certaines personnes ont le droit de demander n'importe quoi qui contribue à la volonté de Dieu. Je donne un autre exemple que je vais enseigner dans les jours qui viennent. La vie que tu as parce que ça correspond aux limites des choses que tu peux demander à Dieu. Il y a des gens ici qui vivent la vie qu'ils ont parce que ça correspond aux limites des choses qu'ils demandent à Dieu. Comme certains ici qui disent à Dieu, Seigneur, fais-moi grâce d'avoir même un travail. Alléluia. Il y en a qui disent, fais-moi grâce de gouverner le monde. La taille de vos requêtes, c'est ce que vous êtes. Vous me suivez? La taille de vos requêtes, c'est ce que vous êtes. C'est l'enseignement du dimanche prochain. Je vais revenir là-dessus. Maintenant, la prière, pour qu'elle réussisse, elle dépend de ta connaissance. La Bible dit ceci, quand tu pries, tu viens devant Dieu, Dieu vient devant toi et regarde dans ton cœur. Si tu as les paroles qui te donnent le droit de demander ce que tu demandes. Ok, je vais expliquer ça autrement. Alléluia. Que voulez-vous demander à Dieu? Quelqu'un peut dire, je veux demander à Dieu de me donner la stabilité. Dieu s'approche quand tu lui parles, il fait ceci, il regarde, pour voir si en toi, tu as un verset, une connaissance biblique sur la stabilité. Quand tu dis à Dieu une chose que tu ne connais pas de sa parole, tu ne peux pas l'obtenir. Pourquoi? La Bible dit ceci, que tout ce que nous demandons à Dieu se repose sur sa parole. Le fondement qui permet d'accueillir un exaucement, c'est la parole que Dieu trouve en toi. S'il n'y a pas la parole qui correspond à la chose que tu demandes, Dieu craindra de te donner au risque que cet exaucement fasse quoi? Te détruise. C'est pourquoi vous voyez certains qui disent, Seigneur, nangina kene poto, je vais aller en Europe. Il part et il devient païen. Qu'est-ce qui s'est passé? Il demandait une chose sans avoir compris la chose. Bibliquement parlant, par exemple, les voyages dans la Bible, quand vous lisez, il y a deux possibilités de voyager dans la Bible. Première possibilité, l'homme reçoit un message de Dieu qui lui dit, lève-toi, sors de cet endroit. Deuxième possibilité, l'homme dit à Dieu, je vais aller, mais si j'arrive, je vais te donner. Le texte biblique démontre donc que Dieu peut être l'auteur du voyage avec une mission. L'homme peut engager un voyage avec un vœu. Tous ceux qui sont allés à Paris, Italie, Kinshasa, Gabon, qui sont tombés, n'ont pas réalisé quoi? Leur vœu. C'est pourquoi, faites attention quand vous parlez à Dieu. Dieu n'est pas un humain. Dieu a toute la connaissance parfaite. Donc quand vous dites, donne-moi, Dieu te dit aussi, donne-moi. Ok. Donne-moi ceci, Dieu te dit, donne-moi la parole qui le dit. Tu peux ne pas connaître le verset, Jean 4, 12, mais tu peux savoir qu'il est écrit. Quelqu'un me suit? C'est pourquoi la Bible ne dit pas que si vous demeurez en moi et que mes paroles, vous les avez déjà entendues. Non. Mais que mes paroles demeurent. Autrement dit, retenu en vous. Alléluia. Retenez les versets de méditation du jour qui vous touchent. Les versets que vous retenez sont des droits que vous obtenez. Les versets que vous retenez sont des droits que vous obtenez. Alléluia. Qui a compris cela? Donc, celui qui prie beaucoup finira par faire quoi? Hein? Non,
La prière dépend de ta connaissance de Dieu. Celui qui prie beaucoup finira par faire quoi? Profonde. Va en profondeur. Finira par faire quoi? Finira par faire quoi? Vous êtes trop spirituel. Baissez un peu. Finira par faire quoi? Vous êtes trop spirituel. Donnez-moi une Bible. Donnez-moi une Bible. Donnez-moi une Bible. En papier. Celui qui prie beaucoup finira par faire quoi? Pardon? Alléluia. C'est ça, vous êtes trop spirituel. C'est pourquoi quand vous finissez les cultes, vous ne comprenez pas de quoi on parle. Vous avez trop d'esprit. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudriez, vous l'obtiendrez. Les paroles de Dieu sont où? Ok, celui qui prie beaucoup finira par faire quoi? Pardon? Oui, finira par beaucoup lire sa Bible. La raison pour laquelle tu ne lis pas ta Bible, c'est parce que tu n'es pas encore exaucé. Le jour où Dieu va t'exaucer sur une chose claire, tu comprendras qu'il ne t'a exaucé que sur la chose que tu connaissais. Les gens qui connaissent Dieu sont plus attachés à lui. Pourquoi? Ils savent que si je suis arrivé là, c'est à cause de ceci. Mais il y en a ici, ils ne savent même pas comment ils ont fait pour être mariés. C'est pourquoi quand les problèmes viennent, vous n'avez personne auprès de qui dans le ciel vous pouvez aller pour réclamer que votre mari change. Quelqu'un me suit attentivement. Celui qui prie beaucoup finira par faire quoi? Donc quand on vous dit, lisez un chapitre par jour, alléluia, c'est bien, n'est-ce pas? Mais entre nous, un enfant de Dieu qui lit un seul chapitre de la Bible par jour, il est bébé? Non, c'est un embryon. Si ce que je lis est intéressant, j'irai au chapitre qui suit. Ai-je besoin de m'arrêter parce que la lecture du jour c'est 34? Non. Si je lis un film sur YouTube qui est intéressant, ou un article, vidéo ou texte, audio ou n'importe qui est intéressant, qu'est-ce que je fais? Je continue. Pourquoi quand on lit la Bible, dès que tu finis le chapitre 35, tu fermes la Bible? Ce n'est pas intéressant. Ça prouve que tu n'as pas plaisir à la chose que tu fais. Or, quand Dieu dit, si mes paroles demeurent, habitent en vous, arrivent à rester, comment Dieu sait que les paroles demeurent si à chaque fois que tu finis ton chapitre, tu fermes, tu déposes et tu as même oublié ce que tu as lu? Dis à ton voisin, change. Troisièmement, la prière nous fait grandir parce que la prière dépend de ta connaissance de la volonté de Dieu pour ta vie. La prière dépend de ta connaissance de la volonté de Dieu sur ta vie. La prière dépend de la volonté de Dieu pour ta vie. De ta connaissance, pardon, de la volonté de Dieu pour ta vie. Écoutez, il est impossible de prier efficacement si la chose que l'on demande, on ne sait pas si elle nous a été réservée. Savoir qu'une chose t'a été réservée, c'est quoi? Dieu, quand il dit que tu seras ministre d'État, il te l'a réservé. La volonté de Dieu, c'est la liste des choses que vous avez reçues de Dieu ou qui sont réservées par Dieu pour vous. Amen. Amen. Donc, il n'est pas possible de prier sans connaître si la chose est à moi. Tu risques de demander une chose qui n'est pas à toi, tu ne l'auras jamais. Regardez comment certains d'entre vous vous demandez un homme. Seigneur, donc touche le garçon là qui me fasse la cour. Pourquoi Dieu ne vous exauce pas? Cet homme ne vous appartient pas. Ah Seigneur, la sœur, cette sœur ne vous appartient pas. Il y a des frères qui sont venus ici qui disent, papa, montre-moi une fille que je peux épouser.
Amen, amen. Alors nous, on lui dit, non, il y a telle sœur, il y a telle sœur et telle sœur. Et toi, prie, hein. Quand il prie et que Dieu l'exauce, la sœur là sera toujours une sœur qui n'est pas engagée. Parce que Dieu ne peut pas te donner une personne qui ne t'appartient pas. Dieu n'est pas un voyou, c'est pas un voleur. Et Dieu n'a pas une mini-jupe. Donc, la prostitution de l'âme de quelqu'un ne peut pas pousser Dieu à se prostituer avec toi. Regarde, monsieur, attentivement. La Bible dit ceci. Nous avons auprès de lui cette assurance. 1 Jean 5, 14. Nous avons auprès de lui cette assurance. Le mot assurance veut dire assurance. Assurance, c'est assurance. Assurance, c'est assurance. Cette certitude, ce droit que si nous demandons quelque chose, selon quoi? Sa volonté. Qu'est-ce qui va se passer? Il nous écoute. Ce qui veut dire que toute prière n'a pas pour... votre prière, vous ne savez pas que votre prière a de l'importance lorsque vous allez la voir se réaliser. Non. La prière commence d'abord à avoir de l'importance lorsque celui à qui tu adresses cette prière fait quoi? T'écoute. Toute prière entre dans le couloir de l'exaucement qu'à condition que Dieu t'écoute. Quelqu'un me suit attentivement. Je suis un peu triste de te le dire. Des fois, tu as fait toute une nuit de prière, mais Dieu ne t'a pas écouté. Alors s'il ne t'a pas écouté, comment peut-il te répondre? Quelqu'un me suit. Il n'y a pas d'exaucement sans être écouté. Vous appelez quelqu'un au téléphone. La personne décroche. Mais il y a un problème de réseau. Est-ce que c'est la faute de la personne qui a décroché? Non. Quand tu parles à Dieu, quand il y a un problème de réseau, ça veut dire quoi pour toi? Ça veut dire que soit tes fautes, tes erreurs, soit ton ignorance de la volonté de Dieu fait qu'il y a cassure dans le réseau. Alors tu entends Dieu te dire « Allô ?» Tu entends vraiment le « Allô ?» Mais ta prière, toi, il ne l'écoute pas. Et c'est comme ça, des fois, quand vous êtes en train de prier, vous allez remarquer que vous êtes en train de prier, vous pleurez, vous sentez même qu'il y a du plaisir dans les pleurs. Mais à la fin, rien ne change. Allô? Il avait vraiment décroché. Malheureusement, il ne t'écoute pas. Et qu'est-ce qui fait que Dieu ne t'écoute pas? C'est le péché? Non. C'est l'ignorance de sa volonté. C'est-à-dire, je ne touche pas la femme d'autrui. Je ne vole pas dans mon travail. Mais je ne sais pas ce que Dieu veut pour moi. Quand je ne sais pas ce que Dieu veut pour moi, je suis ignorant. Et tout ce que je vais dire à Dieu, des fois, c'est des fico fico fion. C'est des ti 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 ti
Vous aurez une situation, une difficulté. Au lieu d'aborder Dieu en disant, Seigneur, je chasse cette affaire. Tu vas commencer à pleurer en disant, Seigneur, montre-moi pourquoi une telle chose. Tu as vu? La direction de ta prière va chercher la volonté de Dieu. Quand le peuple de Dieu a perdu une guerre contre un petit peuple, la Bible dit que le prophète ou bien le dirigeant qui était là a dû aller chercher Dieu. Cette expression était une façon de dire, aller voir Dieu pour savoir pourquoi une telle chose nous arrive. Quelqu'un me suit? Donc vous ne pouvez pas, quand vous êtes chrétien, quand vous êtes enfant de Dieu, vous vous mettez à prier sans consulter Dieu sur l'affaire pour laquelle tu es en train de prier. Non, cette prière-là, tu vas l'échouer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez, mes frères, si vous ne grandissez pas, vous allez beaucoup échouer dans vos prières, beaucoup. Parce que les problèmes nous attendent, nous tous. Et c'est au jour du problème qu'on mesure la connaissance de chacun. La prière va t'imposer de connaître la volonté de Dieu. Connais qui tu es, connais ce que tu as, connais ce que tu peux, connais quels sont tes droits, connais quels sont tes privilèges. Quand tu connaîtras cela, tu prieras avec certitude. 4. La prière dépend de ta communion fraternelle. La prière dépend de ta communion fraternelle. Mes amis, nous sommes dans l'année de prière. On va prier, on a déjà commencé à prier avec beaucoup de swabala, comme on dit chez nous en Lingala. Beaucoup de goût, avec beaucoup de plaisir. Mais tout ça là, ce n'est pas la garantie d'un exaucement. Car il est écrit ceci. Matthieu 5, 23, 24. Vous connaissez ce texte. C'est donc, tu présentes ton offrande à l'autel. Et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi. La Bible dit, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens te présenter ou présenter ton offrande. Ce texte est clair. Ce texte démontre que tu ne peux pas réussir un contact avec Dieu si tu n'es pas en contact avec les hommes. Vous ne pouvez pas vous dire, Dieu me connaît, laissez ces bêtises-là. Ça fait partie des orgueilleux aveugles qui n'ont cessé de voir clair. Ce sont des orgueilleux aveugles qui ne voient pas clair, des gens perdus. Amen. Mes amis, croyez-moi, demandez à vos parents, ils vous diront qu'ils ont de leurs amis qui ont des cheveux blancs au niveau de devenir gris. Et on ne sait pas si ça deviendra quoi. Mais ces amis-là ont vieilli, mais ces amis sont restés en train de dire, en tout cas moi, il ne faut pas blaguer avec moi, hein, en train de se vanter d'eux-mêmes pendant qu'ils ne sont rien. Vous connaissez ce genre de personnes, non? Voilà, ne soyez pas parmi ceux-là. Or, ces vieux-là, amis de tes parents, étaient aussi jeunes comme toi. Peut-être tu as déjà l'attitude de ces vieux-là, mais tu ne sais pas. Peut-être je t'informe, fais attention d'une chose. Fais attention d'une chose. Si les gens te reprochent de quelque chose, les gens ne peuvent pas tous se tromper sur toi. Alléluia. Quelle est la couleur de cet arrière-plan, ici là? C'est quelle couleur? C'est quelle couleur? C'est quelle couleur? C'est quelle couleur? Maintenant, lui, il répond et dit, non, qui est fou? Si les gens vous disent une chose, en français, on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Quand on vous dit une chose, la chose-là peut-être n'est pas devenue un grand feu, mais il y a un petit feu. Alors, mes frères, votre relation avec vos bien-aimés, votre relation avec votre frère est capitale pour réussir les prières. Si vous êtes du genre à dire, « Ah, moi, je m'en fous, je fais ma vie », sachez-le, votre vie dépend de la vie des autres. Vous ne pouvez jamais être engagé s'il n'y a personne pour engager. On est d'accord? Vous ne pouvez jamais être élevé s'il n'y a pas un chef qui vous a distingué. On est d'accord? Toutes les qualités d'un homme ne servent à rien si personne ne les apprécie. On est d'accord? Une évaluation ne peut être faite par la personne elle-même. Il faut que quelqu'un vous évalue. On est d'accord? La beauté de quelqu'un est l'expression de félicité, comme on dit. C'est l'appréciation des autres. On est d'accord?
Aucune orange ne s'est déjà mangée, d'où aucune orange ne connaît son goût. On est d'accord? Tu ne te connais pas. Il y a beaucoup de choses de toi. Nous allons t'informer. On est d'accord? Donc tu es peut-être jeune, tu dis non papa, je t'aime beaucoup papa. Moi je peux te dire tu es rebelle. Ce n'est pas parce que tu présentes la chose avec une douceur et une façon de faire que ça veut dire que ton cœur est comme ça. Car je connais un monsieur appelé Esobé, qui était capable de prendre tout genre de personnage. Et principalement, Esobé s'est arrêté sur un personnage. Et nous tous, on le connaissait comme ça. Mais à la maison, il était comme ça. Je connaissais un monsieur qui s'appelait notre vieux papa là, Ngaloufa. À la maison, il n'a jamais été comme ça. Siatoula. À la maison, il n'avait jamais été comme ça. Je ne connais pas les récents là. Je ne connais pas. Amen. Ces derniers temps, il y a trop d'agitation que de messages. Alléluia. C'est de la génération TikTok. De bêtises sur bêtises. Alors, bref, votre frère, même s'il n'est pas dans votre chambre pendant que vous priez, son cœur peut vous arrêter. C'est pourquoi la Bible ne dit pas, si tu te souviens que tu as un problème, non, toi tu peux avoir le problème avec tout le monde, c'est ton problème. Mais si nous avons un problème contre toi, c'est un problème sérieux. Toi, tu peux te souvenir que, la Kangela pasteur, je suis fâché contre le pasteur. Quand tu fais ça, Dieu trouve que tu es vraiment le plus ridicule. Mais si le pasteur, non, quand je prends l'exemple de pasteur, ça ressemble beaucoup à mon pays. Si la sœur ou le papa de l'église ou le frère ou bien un bien-aimé de la famille souffre dans son cœur parce que tu lui manques continuellement de respect, celui-là peut devenir pire qu'un sorcier pour toi. Bloquer tes prières. La raison pour laquelle des fois les envoûtements des membres de vos familles fonctionnent, c'est parce que vous leur donnez des raisons pour vous faire du mal. Quand vous êtes impoli auprès d'un sorcier de famille, vous lui avez donné la raison de vous faire du mal. Restez poli et ne donnez pas à votre ni frère, ni voisin, ni prochain en général, ni ennemi, ne lui donnez pas une raison de vous faire du mal. Restez correct, même si les gens ne sont pas sérieux. Quelqu'un a compris ce que je dis? La prière dépend de ta communion fraternelle. 5. La prière dépend de ta relation conjugale. La prière dépend de ta relation conjugale. Laissez-moi vous dire une chose. Je conseille à tous les célibataires de rester célibataires s'ils veulent réussir à prier toutes les prières avec efficacité. Je ne suis pas le premier à le dire. La Bible dit que Paul l'a dit, que je souhaite que tout le monde soit comme moi. Pourquoi ? Il précise, parce que vous allez souffrir de beaucoup d'oppression dans la chair à cause du mariage. Parce que dans le mariage, des fois, vous vous réveillez motivé de prier, mais votre partenaire vous démotive. Soit parce que le foufou n'est pas prêt, une chose de la terre, soit parce qu'elle est passée, elle a porté un habit que tu n'aimes pas, une chose terrestre, ou soit toi, tu es passé avec ta mauvaise odeur, elle a dû te dire, mais chérie, il faut aller te laver. Plein de choses qui déconcentrent, démotivent et peuvent te sortir de tous tes états. Tout ça, on trouve ça où? Dans le mariage où vous rêvez aller là. C'est pourquoi, voici notre conseil et on va travailler dessus. C'est notre vision de 2023 avec le pasteur Grasse. On va travailler à la formation pour former le jeune homme, le jeune frère à devenir un homme. Le frère, l'homme à devenir un père et le père à devenir mature. J'ai trois expressions. Papa, fille, mère, quoi? Il y a trois dimensions que nous sommes dans. Trois dimensions. Laissez-moi retrouver ça rapidement. Alléluia. Oh, amen. C'est quelque chose que le Saint-Esprit a dit pendant que je priais. Il me disait, tu dois les former. Ils ne sont pas prêts. Ils veulent se marier, mais ils ne sont pas prêts.
Ils veulent se marier, mais ils ne sont pas prêts. Alléluia. Et il a donné trois degrés dans la formation. Pasteur Grasse, aidez-moi à retrouver ça rapidement. Et je vais vous lire ça. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Ces trois degrés-là aideront à ce que chaque personne se prépare. Parce que tel que nous sommes là, mes amis, il y a beaucoup de gens qui demandent à Dieu des choses qu'ils ne savent pas, qu'ils ne comprennent pas et qu'ils ne pourront jamais vivre un jour. Jamais vous allez le vivre. Amen. C'est que Pasteur Grasse m'aide à retrouver cette graduation que le Saint-Esprit m'avait donnée. J'aimerais le dire comme il me l'avait dit. Je vais revenir dessus quand Pasteur Grasse va me le communiquer. Mes frères et sœurs, donc, quand vous priez, votre prière va exiger que votre relation conjugale soit en bon terme. La Bible dit, Marie, montrez à votre tour de la sagesse à vos femmes. Ok? Montrez à votre tour de la sagesse à vos femmes. Et la Bible va préciser une chose très, très, très choquante. Comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. C'est ce que la Bible dit. La Bible te dit que si tu n'es pas gentil avec ta femme, tes prières là, peuvent avoir des problèmes. Madame, si vous n'êtes pas soumise, vos prières peuvent avoir des problèmes. Quelqu'un me comprend? Donc, aller se marier, c'est ajouter un être qui n'est pas Satan, qui n'est pas un démon, mais qui peut faire pire. Alléluia. Vous savez d'où vient Satan? Il était parmi ces anges-là. Donc, imaginez dans la période où il était parmi les anges, quand il parlait aux gens et qu'il corrompait les cœurs, c'est ça. Tu as un ange de lumière dans ta maison, mais qui corrompt ta vie de prière. Parce que pendant que tu te lèves la nuit, « Ah, mon chéri, tous les jours tu te lèves la nuit, reste avec moi. » Alléluia. Nous sommes là, nous réussissons parce que je prie. Je t'ai épousé parce que je priais. Tu entres dans le mariage, c'est devenu « reste avec moi ». Lundi jusqu'à dimanche. Toi, tu as 5 jours où tu ne peux pas rester avec moi en intimité. Qui t'a déjà dit « ne fais pas ça » À chacun sa période d'indisposition. Est-ce que les adultes ont compris? Oui. C'est mon jour de prière. On s'entend. La Bible dit que vous devez le faire d'un commun accord afin que cela ne fasse pas un obstacle à vos prières. Donc chérie, j'ai mon jour de prière. Tu as ton jour de prière. Choisissez les heures qui vont vous aider à ne pas être une pierre d'achoppement. Ce n'est pas je dois prier. Toi, tu pries tous les jours de 20h à minuit. Tu as compris ce qui va se passer? Tu as tué le mariage. Alléluia. Toi, tu pries de 12h à 14h. On mange comment ensemble? Vous avez compris? Il faut beaucoup de sagesse et de maturité quand il s'agit du mariage. C'est pourquoi, mes amis, en allant là-bas, faites attention. Si vous êtes encore un petit garçon, vous devez devenir responsable. Alléluia. Alors que tout celui qui aime une femme n'oublie jamais que ce n'est pas parce qu'un chien peut enfanter avec une chienne qu'il bâtit une maison pour la chienne. Ton pouvoir de procréation, ton pouvoir d'excitation ne fait pas de toi un homme. Un chien peut le faire sur ta jambe. Ceux qui ont déjà eu des chiens, il peut le faire sur ta jambe. Donc, ton excitation, j'ai déjà grandi, je commence à avoir envie d'une femme. Ton envie là, c'est où? Envie ou envie en bas? Si c'est envie en bas, tu n'es encore qu'au niveau d'une espèce qu'on appelle animal. Quand c'est en vie ici, tu es à la place où c'est Dieu qui vient te dire, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce n'est pas un constat de sa chair, c'est un constat de son destin. Tu dois maintenant te marier. Alléluia. Ce n'est pas toutes mes copines se marient, moi je ne me marie pas. Tu n'as rien compris.
tu vas aller là-bas, tu ne pourras plus jamais faire 3 jours de jeûne et prière. Parce que quand tu jeûnes, le seul sujet que tu auras, mon mari. Tu ne prieras plus pour l'onction, mon mari du début à la fin. Le mariage peut être une distraction terrible pour la vie chrétienne. Je vous le dis avec expérience, parce que j'ai été une véritable distraction pour ma femme. Parce que mon comportement était trop mauvais. Trop mauvais. Je suis devenu son sujet basique. Elle n'a jamais été mon sujet comme je l'ai été pour elle. Parce qu'elle me donnait plus de bien que le mal que je lui donnais. Donc, j'ai distrait sa vie. C'est pourquoi je me suis concentré maintenant. Chérie, ça évolue, non? Amen. Je ne demande pas 10 sur 10. Ça évolue. Alléluia. Sixième, la prière dépend de ton zèle. La prière dépend de ton zèle. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas réussir à prier si vous ne le faites pas avec zèle. La prière, il y a tellement de différences de prière que tant que vous ne faites pas la différence entre les prières seul à seul avec Dieu et les prières quand tu cherches une manifestation de Dieu, c'est-à-dire l'intimité, et lorsque tu es en train de soit combattre ou soit quand tu es en train de rechercher un changement, vous risquez de vous mettre à prier sans ferveur. La ferveur, c'est être chaud. Je ne dis pas qu'il faut réveiller le quartier, mais je dis sois motivé dans ce que tu fais. Sois motivé dans ce que tu fais. C'est pourquoi je dis ceci. La prière dépend de ta ferveur. Dites avec moi amen une fois. Amen, amen deux fois. Amen trois fois. Amen. Les personnes les plus riches du monde ne sont pas toutes des chrétiennes. Parmi elles sont des gens qui ne sont pas chrétiennes, mais qui prient 5 fois. Pourquoi ils sont exaucés malgré qu'ils ne prient pas au nom de Jésus? Qui les exauce? Alléluia. Le jour où vous irez voir Dieu au ciel, il va vous choquer d'une manière incroyable. Il va vous dire que j'ai dit que Jésus est le chemin qui emmène vers moi. Mais j'ai aussi dit que tout celui qui invoquera mon nom, je viendrai intervenir. Il va aussi te dire que je suis celui qui donne la pluie en sa saison. Donc, il va te sortir des règles qui montrent que les prières, même si tu les fais au nom de Jésus, si tu n'es pas quelqu'un fervent à persévérer à le faire, ça ne marchera pas. Il y a le besoin de ferveur. Je vous parlais des frères qui prient 5 fois par jour. Ils prient, même si ce n'est pas comme toi tu le penses, comme toi tu le veux, mais ça les aide. Pourquoi? Ils sont dans une loi qu'on appelle la ferveur, le zèle. La Bible dit ceci, tout travail procure de l'abondance. Tout travail, comme ils font une chose de manière récurrente, ça va procurer quelque chose. Le zèle, ta prière demande ta motivation. Quand tu t'es réveillé la nuit, lave-toi le visage. Sois motivé, ne te laisse pas dans une situation qui va t'empêcher de bien prier. Parce que la prière demande ça. Maintenant, le zèle ici, le mot là, qui est dit en grec, veut aussi dire la motivation dans le travail de Dieu. Celui qui n'est pas motivé à l'église dans le travail de Dieu fait échouer ses prières. N'aimez jamais appartenir à une église où vous ne faites rien. Ah, moi je viens seulement là-bas, je prie et je pars. Mes amis, ce n'est pas de la spiritualité, c'est de la distraction. Ce n'est pas de la spiritualité, c'est de la distraction. Trouvez toujours quelque chose. Peut-être je vais vous enseigner le premier cours que j'ai donné aux ouvriers pour que vous puissiez connaître là où vous pouvez être. Hein? Je pense que c'est une nécessité. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Il y a toujours quelque chose à faire dans l'église. Toujours. Toujours. Amen. Pasteur, moi je travaille beaucoup du matin jusqu'à 2h du matin. Ce n'est pas grave, tu peux toujours nous être utile. Amen, amen, amen. La ferveur, ta prière te demandera, est-ce que tu fais quelque chose pour Dieu en dehors de ces moments où tu es venu devant Dieu? Oh, je ne fais rien.
Donc, c'est compliqué que je fasse. Celui qui prie beaucoup trouvera toujours quelque chose à faire pour l'œuvre de Dieu. Les prières vous poussent à servir Dieu. Si vous ne priez pas bien, vous ne sentirez jamais le besoin d'aller servir Dieu. Mais quand vous priez beaucoup, vous allez toujours sentir un besoin. Je me rappelle d'un monsieur qui était assis ici pendant un culte. À la fin du culte, il est venu me voir et il a dit, il faut que je fasse quelque chose. Vous avez dit qu'il manque ceci, moi je vais envoyer de l'argent. Le monsieur a envoyé l'argent. Il ne prie pas ici. Il dit, je dois servir. La prière exige ta ferveur dans quelque chose. Enfin, la prière dépend de ta charité. La prière dépend de ta charité. Corneille, ta prière a été entendue. Acte 10, 31. Corneille, ta prière a été entendue. Et Dieu a tenu compte de Dieu a tenu compte des secours que tu as apportés à qui ça? Aux pauvres. Donc, ta prière a été entendue. Et Dieu a fait quoi? A tenu compte. Il a vérifié. Il a tenu compte. Il a tenu compte du secours que tu apportes aux pauvres. Mes frères, pour vous qui avez senti dans votre cœur que Dieu m'a établi dans votre vie comme un pasteur, je vous ai souvent donné un conseil. Je vous ai souvent dit ceci. Toute maison doit avoir des orphelins à soutenir. Si, même si ce n'est pas un orphelin que tu connais d'un nom, mais chaque période dans l'année, trouve-toi une période, trimestre, semestre, mensuel, annuel, va partager ta prospérité avec les orphelins. Dieu tiendra compte de ça pour te répondre. C'est pourquoi celui qui prie beaucoup, mes amis, il ne peut pas avoir les mains dures. Les mains que tu lèves là, pour qu'elles s'ouvrent et que Dieu les voie, elles doivent être ouvertes d'abord devant un humain. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? J'aime l'expression qui dit « levons les mains vers Dieu ». Ça veut dire que les mains étaient où? En bas. Donc, on ne lève que les mains qui étaient déjà en bas en service. Si tes mains en bas n'étaient pas en service pour les humains, tu ne peux pas les lever vers Dieu pour être en service pour Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Donnez, partagez à l'église de Dieu. Je le répète, je vous encourage. Des fois, on dit, pasteur, l'onction, comment on peut avoir l'onction? Mes amis, tout ce que tu fais avec ta main influence ce que tu feras avec ta main dans la maison de Dieu. Si tu es bon et généreux, même l'onction de guérison va se manifester. Alléluia. Frères, vos mains faites du bien. À l'église, je disais, soyez des observateurs. Soyez une église qui, quand quelqu'un a ta taille, il deviendra ton dépôt d'investissement spirituel. Quand quelqu'un a ta taille, pourquoi je dis ça? Les vêtements. Quelqu'un me suit? Regardez vos frères. Regardez vos sœurs. Besoin se trouve. Si tu en as, partage. Si tu peux, achète, partage. Pourquoi? Quand on vient prier, il y a une petite mallette spirituelle qu'on emmène sans savoir, qu'on appelle toutes nos bonnes œuvres. Et quand on prie, quand on lève nos mains, comme on a déjà cette mallette en main, qu'est-ce qui se passe? On lève ça aussi devant Dieu. C'est que l'on veut dire, on dit souvent, souviens-toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Vous n'avez pas besoin d'une collecte spéciale pour emmener à l'église des sacs de riz. Non, emmenez. Ça peut servir. Votre générosité sauvera vos prières. Celui qui prie beaucoup